J'ai décidé de ne pas me représenter aux élections législatives après 3 mandats, parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi sur le cumul de mandats. J'avais un choix à faire, ou me représenter sur un mandat qui était fini, ou continuer mon mandat de président, pour lequel mes collègues ici m'ont élu. Christophe Guillotot a choisi, il ne se représentera pas aux législatives dans la 10e circonscription du Rhône, préférant donc conserver son fauteuil de président du conseil départemental. C'est la vie au quotidien d'un département. En plus, le département du Rhône est une spécificité en France. Il est dans cette métropole du Rhône, de Lyon, entre les nouvelles prérogatives de la région sur l'économie et au quotidien cette vie qu'on doit avoir avec la métropole. Et puis c'est un département que nous avons remis en route avec de nouvelles actions, de nouvelles politiques. On est passé d'un budget de 1,7 milliard à un budget de 511 millions. On est sorti des 640 millions d'emprunts toxiques.